Salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour ce 103e épisode du Let's Play consacré à Fallout 4. Je suis Warkfey. Comment une machine peut croire qu'elle est vivante? C'est ridicule. Alors, avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. Ça, c'est de dégâts. On va utiliser quoi? Ah, j'ai pas de plasma. On va prendre le laser anti-animaux. On va se soigner. Il va lui dégager une patte là. Ah, plus de munitions, merde. Alors, ensuite, Mortis, non. Grosse pétoire, il est trop loin. Pistolet de Kellogg, j'ai pas de munitions. On va essayer à la rocaille. Putain, mais le critique dans la jambe qui marche toujours pas. Ah non, ça c'était pas la jambe. Viser davantage la tête, hein. Peut-être qu'on va réussir à l'avoir à force. Et le truc à côté n'explose pas, non? Super, maintenant il se planque. Il manquait plus que ça, mais viens là, viens les bouffer tes balles. Oh, je vois plus rien. Ah merde, il me tire dans la tête lui par contre. Alors, et puis par contre j'ai trop de radiation. C'était quoi déjà pour les radiations? Voilà, moins 400 radiations. Voilà. Lui, il est mort. Normalement, il y a des trucs sympas sur lui maintenant. Bon. Pas énormément de choses. Oh, c'est horrible. Il faisait cramer des gens. C'est pas très cool, ça. Capsule, cartouche, cartouche. Une brochette, je prends. Arme de fortune, je prends. Ça aussi. Derrière, on a Ada qui est en train de faire un massacre. Où est-ce qu'ils sont les autres là? J'y crois pas. Depuis tout à l'heure, leur tire dessus. Première erreur. Ah, je crois que je l'ai trouvé.
Ok, donc déjà, on va dégager ton bras. Non, ça passe pas à travers. Bon, par contre, faut que tu te soignes. Non, c'est pas dans l'aptitude, c'est dans inventaire. Soins. Bon, nourriture moisie, je pense pas que ce soit une bonne idée de la manger. T'as raison, monte ta tête. Ok, abri découvert. Ah bah nickel. Tu crois pouvoir t'en sortir, hein? Ah oh bah il s'est tué tout seul, le con. Où est-ce qu'ils sont les autres? Petit. Non, ils sont pas par là. Ouais. Ils ont pas l'air par là. Oh putain la grenade. Ah bah super, m'a niqué la jambe. Hop, un simpack et on y retourne. Mais non! Ok, on va pouvoir y retourner. Normalement, j'ai réussi à régler mes problèmes de performance. J'ai eu des gros soucis sur les épisodes, enfin sur les derniers enregistrements. J'ai mis à jour mon logiciel, tout ça. Et redémarrer l'ordi. Bon. Où on en est? Normalement, vous avez une légère amélioration au niveau de la qualité. J'ai une mission au nord, mais bon, voilà. J'ai une mission ici. C'est quoi la mission? Bon. Non, je vais partir plutôt d'ici. Voilà. On va y jeter un petit coup d'œil. Ok, c'est parti. Faut que j'aille là-bas. On va se préparer. Hein. Ah putain, je me fais déjà canarder, t'es sérieux? J'ai à peine avancé. Inventaire, arme. Il me faut un truc l'anti-animaux. Il a des munitions, nickel. Ça va prendre un peu de temps, j'ai l'impression. Il ne reste que deux munitions, c'est pas ouf. Il me restait deux munitions. J'en ai plus. J'ai le mortier, mais j'ai plus de munitions. Ça tire pas assez loin. Roucaille. Putain, mais arrête d'esquiver! Non, mais... Je
t'ai eu. Ah, il a raté. Ah, je l'ai raté. Bien compliqué, hein, mais... Ouais, on l'a eu. Et derrière, on a le gros encore. Je crois qu'on doit en avoir deux encore. Ah. Sauvé par le poteau. Putain, mais j'arrive pas à l'avoir. Putain, mais c'est pas possible. Heureusement qu'il n'y a pas l'effet de gravité sur les balles. Hein. Ça serait un bordel monstre. Je vais essayer de me rapprocher pour essayer de l'avoir plus facilement. On l'a eu. Je sais pas s'il en reste. En tout cas, on a fait un joli ménage. Maintenant, faut trouver où il faut... Ouais, faut trouver par où passer. Ouais, je dirais sauter là et aller tout droit. C'est sûrement pas une bonne idée. Il vient de donner un coup de main, les gars. Moi, je crois qu'ils se font canarder déjà. Il est descendu, l'autre. Je crois, ouais. Il est en train de descendre. Ouais, je vais viser dans le corps, ça sera très bien. Waouh, 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 waouh. Ils ont des trucs intéressants sur eux. Ils ont des capsules. Ok. Ah bah il s'est fait descendre lui. Ok, mais on doit aller où là? C'est bien gentil maintenant d'être là, mais c'est tout. Ouais, je crois que c'était ça la mission en fait. Bon bah... On rentre. Alors, je pense que je peux ranger l'arme. Tournez jamais le dos à un artilleur. Bon, faudrait que je monte. Ok. Bon, j'ai quelques lags moi de mon côté également. Pour ne pas mourir de faim, emportez toujours de la nourriture si vous ne voulez pas. Ah putain, il est en dessous le gars, donc il faut que je rentre dans le bâtiment. Et que je traverse. Ok. Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi peut-être? Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche? J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ils ont l'air très intéressants. Je vais les enregistrer sans perdre un instant. Voici les capsules promises. N'oubliez pas, le Commonwealth est une source quasi infinie de documentation technique. Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de vos patrouilles. Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises. Connétable. Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être? Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche?
J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ce ne sont pas des documents techniques. Je n'ai pas de temps à perdre, soldat. Revenez me voir quand vous aurez décidé d'accomplir sérieusement votre devoir. Connétable Quinlan ? Ah, chevalier. Oh, ça m'énerve. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être ? Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche ? J'ai le temps d'aider une patrouille. Excellent. Les scribes sont certes bien formés, mais le combat n'est pas leur spécialité. Le scribe qui vous a été affecté vous rejoindra à l'aéroport. Là, il vous indiquera où votre patrouille vous emmènera. Revenez avec le scribe et les données, et votre mission sera considérée comme un succès. Pourquoi j'ai encore... Je sais pas. Alors faut que je trouve l'aîné Maxon. On va descendre, peut-être qu'il est en bas. Il est pas en dessous l'aîné Maxon? Non, j'ai pas l'impression. Vous savez quoi, au diable, tous ces trucs qui ont l'air d'être des... qui ont l'air d'être des quêtes secondaires. On va aller faire ça. Si je regarde sur la carte, cette fameuse quête... Mais putain, mais c'est dingue. Le truc qui apparaissent encore. Il est temps d'arrêter de se prendre la tête, hein. Par contre, si on pouvait trouver des munitions, ça serait génial. Oh bah, il y a des voitures volantes. Ah bah tiens, j'y pense. Le marchand, là, il a pas des munitions? C'est du boulot, c'est pas le temps. Si on veut faire de vieux os dans ce excusez-moi. Boulot, il faut partir du principe vraiment que tous trop les autres long. Veulent votre peau. Et tout ça pour des cacahuètes. Non, ok. Pas de coup fourré, sinon je vous descends. Ok, ouais, ça c'est les gardes. Si vous voulez quelque chose, dites-le moi. Salut, Lucas. Mes armures ont sauvé bien des gens dans les terres désolées. Quel genre d'article vous avez ? Je vends des armures pour le vieux Stockton, qui est basé à Bunker Hill. Ça fait des années que je vends des armures aux habitants les plus malins des terres désolées. Les crétins repartent les mains vides. Mais bon, ils restent pas crétins longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Voyons ce que vous avez. Avec moi, pas de surprise. Ce que vous voyez, c'est ce que vous achetez. Arme, on s'en fout, tenue. Tenue en vrai, je m'en fous un peu. Ah ça peut être sympa ça. Ouais mais par contre, ouais, résistance à la radiation, j'aime bien moi. Ça, c'est intéressant. C'est pas déjà une jambière que je lui ai acheté? Je sais plus. Je ne sais plus, c'est pas grave. Tenue, c'est bon. Bric-à-brac, il a plein de trucs, mais voilà. Ah, il a pas de munitions. Ok. Merde. Acheter, c'est entrer. Accepter, R.
Ok. Plutôt prendre ça. Merde, ouais, donc c'est bien ce que je pensais. J'ai acheté deux fois. Bon, c'est pas grave. Pire, je démontrais. Je vais récupérer des trucs sympas dessus. Là, on va se rapprocher encore plus des synthétiques. Qui c'est qui m'attaque? Ok, il semblerait que ce soit pas gentil. Oh, on lui a explosé la jambe, je crois. La rabiche, elle est partie. Ouais. Mais elle est pas du tout dangereuse en fait. C'est bon, je l'ai eu. Ah bah eux par contre ils sont assez dangereux. Putain mais c'est chiant ça. Je vais lui exploser les pinces à ce bestiau. Allez, le critique qui l'a fait dégager. Ou c'est Ada qui lui a tapé dessus. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui est emmerdant, c'est que j'ai plus de j'ai presque plus de munitions avec mon arme de fortune. J'ai eu un peu de chance. Voilà, une en moins. Pourquoi je peux pas tirer? Ah bah parce que j'ai tout simplement... Oh! Je crois qu'ils se sont explosés tout seuls entre eux. Ok. Alors, voyons, je peux avoir le corps. Voilà, ça va être pas mal. Allez, le critique. Ah lui, par contre, je l'aime pas. Il doit être en armure. Ah ouais, effectivement, je l'aime pas. Il est en armure. Bon, pour l'instant, j'arrive à le toucher. Presque.
Non, c'est à toi de te rendre. Je continue à viser dans la jambe. Hein. C'est ce qui marche le mieux là pour l'instant. Oh, qui c'est qui me tire dessus? Toi, t'es en train de me tirer dessus? Ouais, je crois que je le rate. Waouh! Je crois que j'ai eu chaud. Capsule, cartouche, grenade, revolver, plastron, métal, oui pourquoi pas, brassard, ouais, ok. Ah putain, t'as fait le ménage de l'autre côté, d'accord. Non, Steam Pack, Fat Man, pourquoi pas. Ada, j'ai plus de place. On va te filer des trucs. Au niveau des armes, on va te filer grenades, le Fat Man. J'ai quoi? J'ai un revolver encore. J'ai des armes assemblées. Ça, je vais te le filer aussi. Ça aussi. En fait, j'aurais peut-être dû garder mon... Ouais, je verrai si je peux l'améliorer. Je verrai bien si je peux l'améliorer. Bric-à-brac, on va lui filer tout ce que j'ai récupéré. Et voilà. Toutes les excuses. Je crois qu'on les a perdues. Qui c'est qui tire comme un forcené, là? Moi aussi, je peux tirer comme un forcené. Ok. J'ai pas eu le chien. Hop, il venait de fusionner l'autre. Alors c'est quoi ça? Vous avez trouvé le numéro du magazine Histoire à dormir debout, permet d'infliger 5% de dégâts supplémentaires la nuit. Ah bah c'est bien ça. Ah putain, faut construire des défenses. Ok. J'ai pas envie de démolir ces trucs là en vrai. Ça m'a l'air plutôt utile. Ah, sauf celui-là. Sauf si les casiers ça dégage. Hop, on va se ramasser le bois, les trucs dans les alentours qui traînent et qui nous empêchent. Ça, perso, je préfère les garder. Ça, par contre, ça va dégager. Ok, il doit encore avoir quelques arbres à récupérer. Là, voilà. Ça nous permettra d'avoir une grande zone dégagée si on se fait attaquer. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez.
Tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.